marche, ouais. Hein? Bouge pas, là. Bouge pas, là. Hey! Et je t'avais dit, toi! Grand-chose? Es-tu après couper ta haie? Pas vraiment, non. Taille un peu, tu sais. Commence à avoir l'air pouilleux. M'arrange qu'elle ait l'air du monde cet été, tu sais. C'est de l'ouvrage pareil, hein? Tu fous, toi? Ça me détend. L'herbe, ça me relaxe. Ouais. Ça fait ça. Ah, ben, tu sais, c'est une haie, hein? Mais, m'en sers de plus en plus comme clôture. Je comprends. Hey! Ah! Oh. Parle-moi de ça. La petite famille va bien? Te remercie. Toi-même? Définitivement. Ah. Et monsieur? Ah! Oh. Me semble que t'as maigri, toi. Es-tu fou, j'ai engraissé 3 livres? Me semblait aussi. Encore des coupons. Nathalie, que ça continue, ils vont te payer pour faire le marché. Hein? Oh, Fennin. Hey, Fennin, cette semaine, là, t'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Ouais. Ça va faire un bout de temps qu'on s'est vu. Mais hein? Qu'est-ce que t'as fait de bon? Je suis allé chez Canadian Tire. Pas sérieux? T'as dit? Eh ben. T'aurais dû voir ça, toi. Ils t'ont reçu un de ces clous à ciment, mon âme. T'as pas peur. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ciment, c'est une science comme une autre, hein? Force de chercher, ils vont bien finir par trouver. Et soda. Hey, as-tu vu ça, toi? Hein? Ça vaut la peine de se forcer dans la vie, hein? Tu travailles comme un bulldozer pendant 15 ans dans ta haie, tu te reviens de bord 2 minutes, puis y a un maudit marijuana qui vient faire son voyage dedans. Il ferait ça dans son salon, tu penses, hein? Me semble, ouais. Ce monde-là, ça mériterait d'être pendu par les intestins. T'es trop bon, Bernard, m'a-t-à dire, moi, t'es trop bon. J'ai plus moyen de couper sa haie sans avoir du fun. Je me demande bien ce qui est le plaisir dans la vie, moi. C'est pas moi qui vais t'ostiner. Si tu veux, je te dis, j'aime ça couper ma haie. Pas besoin de rien me dire, mon vieux. Ben, c'est ça, je te dis. Mais quand? À propos? T'es pas dit ça pour mon char? Je sais pas. Ben, tu sais, mon toit, comment j'avais de la misère à le shiner? Non. Bon, ben, c'est fini, ce temps-là. Regarde ça. Ouais. C'est quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ça? C'était fait pour mon toit. Fait que t'as plus de trouble, toi, là? Pas tout. La belle vie? 100 000 à l'heure. Puis ce que je trouve de merveilleux avec ce produit-là, c'est que c'est nouveau. Pas sérieux? Plus que jamais. Puis le principe dans ce canne-là, c'est que ça se présente sous forme de shampoo. M'intéresse, là. Là, je t'ai rien dit encore, hein. En plus de laver, ça nourrit ton toit. L'idée en arrière, là, pour être simpliste, ça, c'est que c'est un peu de la vitamine de vinyle. Je sais pas si tu me saisis. Officiel. Un coup que ton toit a tête propre, tu rinces ça au chamois, je pense. Tu l'as dit. T'es encore dans ta haie, toi? Si ça continue, tu vas bien déménager dedans. En
n'empêche que si ça continue, c'est ça qu'il va falloir que je fasse. Tiens, regarde-moi ça. Tu as vu ça, une affaire à même? Ma sœur, oui. C'est pas un frisbee, ça? Même autant pas en parler. Excusez, je suis enchanté. Ah, de rien. Ah oui, c'est vrai, Georges Fernand. Fernand. Georges, on s'était déjà parlé, mais pas officiellement, hein? C'est ça. Ah bon? Chose, ma femme disait ça tout à l'heure. Ça a l'air qu'il fait beau, c'est vrai, hein? Aussi bien en profiter pendant que ça passe. Ouais, on va dire comme ça, gars. Je comprends donc. Puis, Bernard, les assurances, comment ça marche? Ça roule-tu toujours, les accidents? En numéro un, c'est tranquille un peu de ce temps-là, mais je me dis que ça va revenir. Ça donne rien de s'en faire avec ça. Surtout quand ça va mal. D'abord qu'on est heureux, c'est ça qui compte. Énormément. On n'a rien pour rien, hein? Surtout pas les frais. C'est rendu quasiment 2 piastres à casser. Vous vendiez pas des chars usagés, vous? J'en vends encore. Comme ça, ça marche bien. De toute façon, des chars usagés, il y en aura toujours. On sait jamais. Vous, qu'est-ce que vous faites déjà? Vous travaillez pas pour des dentiers ou c'est ça? Exactement, c'est ça, oui. Comment vous vous appelez déjà? Denturologiste. Puis votre prénom, c'est quoi encore? Georges. Faudrait bien que j'envoie ma femme vous voir avec son dentier. Elle a bien de la misère à manger du bledding avec. Elle est quasiment obligée de le mâcher dans ses mains avant. Bernard, il doit bien avoir votre adresse, lui. Ah, moi-même, je l'ai. Ah. Mais vous, là, étiez-vous en Europe au moment de Bernard? Non, nous autres, l'Europe, on attend avant d'y aller. Ah, ça va être la même chose quand même. L'Europe, ça change pas, vous. Pas tellement, non. Hey, c'est vrai, je t'ai pas encore parlé de ton voyage en Europe. Excuse-moi, mon vieux. Ah, oh, pas de quoi. Et puis, Bernard... Tu m'as pas compté ça. Les petites femmes là-bas, qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Ils sont pas juste petites, il y en a des grandes avec. Là, ne regrette pas d'être allé avec ta femme. Oh non, à ben aimé ça. Es-tu allé voir des striptease au moins? Pense pas, non. Hein? Ben, qu'est-ce que tu veux? T'as pas le temps de rien voir là-bas. Juste le loup, vont y pas aller. Il paraît que ça prend des mois à visiter ça. Ouais, les striptease, ça dure pas 3 mois, ça, Bernard? Ça se peut. En tout cas, faudrait bien que tu me montres ça, ton voyage en Europe, un bon jour, hein? Quoi, tu viens pas faire un tour avec Laurette, à soir? Ça vous engage à rien? Ah, ben là, faudrait que j'en parle à Laurette pour voir si elle a le goût. Ben, laisse faire ça, on va vous attendre. Je pense à ça, moi, là. J'ai pas vu ton voyage en Europe. C'est vrai? Ben non. Eh ben... À moins que... on passe faire un tour, nous autres aussi. Ah, c'est une idée. Comment qu'on a un party de vendeur de chars de prévu, mais... on pourrait peut-être aller chez vous après. Oh, si tu veux. Sens-toi bien libre, hein? Fennet, es-tu là? Qui? V'là l'autre! Hey, Fennet, je te dérange pas, j'espère? Pas encore, non. Il fait beau, hein? Bonjour. Enchanté. Oh, laissez faire ça, je peux arranger rien. Ça va bien, Luce? Oh, je sais pas. J'ai fait tout un dégoût. Je viens de renverser de l'Ajax dans ma sauce à spaghetti en voulant nettoyer le poêle. Je te dis. C'est bien toi, ça. Pas grave. Tu feras cuire les nouilles dans l'eau de Javel. Ouais, vous mangez épicé, vous autres. Excuse-moi, Fernand. Mais si tu veux encore? Ben, c'est parce qu'il faut que j'aille faire la commande. Excuse-toi pas pour ça. Voyons, vas-y. Ben, il me faudrait des bidoux pis tout. Si tu veux, là. Des bidoux ou des pitous? Une chance qu'on vous a, vous autres. Sans ça, on n'aurait pas besoin de travailler. Bon, on n'est pas payés, nous autres, notre voyage de reine au foyer. Puis, tu me payes-tu quand je sors les poubelles, moi? Hey, donc, Fernand, tu le sais, je suis pas bonne pour être moqueuse. Et deux, ça ferait-tu? C'est assez pour un consort de fraise, en tout cas. Hey, ris-tu de moi, nous autres, là? Garde-la. Pas moyen de parler de fraise sans qu'elle se sente visée. Tiens, beauté. Bon, ben, je pense que je vais y aller. Faisons ça. Bien, merci. Au revoir. J'espère qu'on aura l'occasion. Périmètre. Bye-bye.
Trompe-toi pas, là. Ramène-nous pas une paire de souliers pour souper. Ah, les femmes! N'empêche que je pense que mon frère, s'il était pas là... On ira en Werdo. Où c'est qu'on était rendu, là? Aucune idée. Je pense que je vais retourner dans ma piscine, moi. Hein? Ah, c'est ça, Bernard. On se reverra peut-être ce soir. Peut-être, hein? Au plaisir. N'importe quand. Hey, finalement, ça te fait tout un voisin, ce gars-là, hein? Bah, bon, c'est réciproque, tu sais. Je suis assez voisin moi-même. Ah, oh ben, de la grande visite. T'es pas tout seul, j'espère? Ben non, je suis avec ton mari. Okay. Ah, excuse que j'ai l'air, hein? J'étais au centre d'achat. Bon, excuse-toi pas, je remarque pas ça. T'as-tu des nouvelles de ta femme? Ah, ben, toujours en son train-train. Elle essaie de s'occuper. Ben, tu sais ce que c'est que la vie de femme? À qui le dis-tu? Je voulais y téléphoner la semaine dernière. Finalement, j'ai fait dégeler mon frigidaire. Eh ben, tu m'en diras tant. Ben, tu vas pouvoir y parler personnellement. Georges parlait de venir nous visiter en couple avec sa moitié à soir. Ah! Tu parles d'une surprise? Êtes-vous sûr de venir? Ah, ben, ça dépend. Si vous êtes là. Ben, si vous venez, on va sûrement être là. D'un coup, on vient pas. Venez donc, ça va être plus simple. De toute façon, qu'on soit là ou pas, vous qu'on reste ici. Ouais, tant qu'à ça. À quelle heure, vous Je te dis qu'on a hâte de vous voir l'air en Europe. Et puis j'espère que votre Fernand va venir. Hey, il y a le commerce agréable, hein? Fernand? Ben oui. Je t'ai pas dit ça. Non? C'est ça. Je suis contente que tu m'en parles. Regarde-moi pas de main. Ça paraît que c'est pas toi qui reçois. Ben si je peux pas le savoir, je peux t'inviter au moins? Sa femme, là, elle va venir à tête que je gage. Tu sais que j'ai un froid avec sa femme. T'as juste à pas y parler? Ben, après ce qu'elle a dit sur moi. Plan, là, pour qu'elle raconte à tout le monde que je suis fâchée à cause de ça. Mais voyons, non. Tu sais bien qu'elle a dit ça comme elle aurait dit d'autres choses. Aimerais-tu ça, toi, que je te dise ça comme je te disais autre chose? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que... Si je portais pas de short en été, c'est parce que je portais des varices. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Oh, absolument. Ça me choque assez, moi, le monde qui placote de même. Pas toi. Non, c'est incontestable. Je le dis-tu à tout le monde, moi, que... qu'elle porte des serres silicone? C'est la première fois que je te l'entends dire, en tout cas. Puis dis-toi que c'est la dernière. Je suis pas genre-là, moi. Certainement. Puis le pire, c'est que c'est pas vrai. J'en ai pas de varices. Bernard peut te le dire, hein, Bernard? C'est comme elle dit. Je veux même pas le savoir, Jeannine. Mais tu sais, il faut y pardonner. Une femme, ça pense pas toujours à ce que ça dit, hein? Ben, c'est pas une raison pour qu'elle me parle à travers son chapeau. Ah, ben là, là, tu tiens quelque chose, là. Fourrez-les. Je l'ai pas fourré, je l'ai serré. Ouais, où? Il en reste plus. Qu'est-ce que tu racontes à ma tête? T'es reviré, toi. Bernard, dis-lui de s'excuser. Toi, va te cacher, c'est pas une tenue pour une jeune fille. Ah, oh, come on, commence pas à capoter. Ah, oh, ben, t'apprendras, Suzy Poitras, que je suis pas un char pour capoter. Bernard, demande-lui des excuses. Suzy, ta mère te parle, là. Qu'est-ce qu'elle dit? Bernard, dis quelque chose. Écoute ta mère, là. Ah, j'écoute. Je te défends de voir comme ça. Oh, gâche tes débiles, là!
Bernard, s'il parle pas, c'est moi qui vais y parler. Suzy, c'est moi qui te parle, là. OK, Evie. Je t'annais de te répéter tout le temps la même chose. Ben, répète-moi d'autres choses. Puis tu dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça t'insulte pas? Un peu. J'espère que tu vas sortir le fouet. Fais-toi-en pas. C'est comme s'il était sorti. Ah, ça laisse pas sa place dans une maison, ces jeunes-là, hein? On se demande des fois qui c'est qui les a faites, ces enfants-là. Bon, ben, en tout cas, chose certaine, je suis sur mon heure de départ, moi, là. Ouais, puis moi, tu vas y aller. Où tu vas? Faut bien que j'aille acheter la réception pour ce soir. Hein? Je peux te déposer au centre d'achat, si tu veux. Non, je te remercie, mon auto est dans l'entrée. Bon, ben, tout est bien qui finit bien. Je vais rentrer les paquets. C'est ça. Mais, à ce soir, mon Bernard. Bon, qu'est-ce que je voulais te dire, là? Ça va pas. Princesse, t'as l'air de bonne humeur ce matin. Oh, pas tellement. Ben, ça paraît pas. Ça fait-tu longtemps que t'es debout? Je te dis que des matins, je passerai tout droit jusqu'à la fin de mes jours. Ben, dis pas ça. Comment tu veux être en forme? Tu dis les affaires de même. Ah, d'accord, t'es pas comme moi, toi. Non, je suis assez de bonne humeur, moi, là. Maudit que la vie est belle. Ça se peut-tu, hein? Qu'est-ce que j'ai à être en forme de même? Peux-tu me le dire, quoi? Oh, garde-moi donc le temps, toi! Hey, ça, c'est de la météo. Ah, oh, moi, là, un petit peu de bleu des nuages, puis mon affaire est gros. Dis-moi pas, tu pleures? Non, non. T'es sûr, tu pleures pas, hein? Oui, oui, je suis sûre. Tu peux me le dire, tu sais, ça me fait rien. Non, non. Hey, je t'ai pas dit ça. On est invité chez Bernard ce soir. Hein? Oh, ça, c'est de la nouvelle. Tu t'attendais pas à ça, hein? Ben, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu mijotes, là? Pas du boudin, j'espère? Je serais pas capable d'y aller. Je suis pas capable de me traîner. Ben, voyons donc, je vais te traîner, si tu veux. Pour de ça, j'ai l'air de rien de ce temps-là. Je trouve pas, t'es toujours de même. Je dis ça pour me faire plaisir. J'ai pas de raison de vouloir te faire plaisir. Écoute, Georges, j'ai peut-être pas l'air de filer de ce temps-là, mais dans le fond, ça va très mal. Mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe entre nous deux, Georges? Viens. Il me semble que c'était différent avant. Bon, même aujourd'hui aussi, c'est différent. Je comprends pas, Georges. C'est pas grave, ça. Mais oui, mais je m'ennuie, Georges. De qui tu t'ennuies? Je m'ennuie pas de personne. Je trouve la maison grande. Tu veux-tu qu'on déménage? C'est pas ça. Je suis tannée de toujours faire la même chose, juste faire à manger puis laver la vaisselle. Ben, fais d'autres choses. T'as une balayeuse neuve, là, serre-toi-en. T'as un fil de 30 pieds après, c'est pas ça que tu voulais? Je sais bien. Peut-être que je suis pas heureuse. Ben, pourtant, tu fais une belle vie. T'as de l'argent, t'as un bon mari. T'es à 2 minutes du centre d'achat. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas. Bon, tu vois? On dirait que j'ai 65 ans, Georges. Pourtant, j'en ai juste 38. Oh, ben, dis pas ça. T'as l'air de 37. Oh, t'es pas à mode, Georges. Pourquoi on fait jamais de psychologie ensemble? Les maris modernes, ils comprennent ça que leur femme fasse une dépression. Toi, on dirait que ça te fait rien. Ben, dis pas ça. Je trouve ça plate. On se parle jamais, Georges. Pas tout le temps. Oh, en tout cas! Dorette. Quoi? T'es-tu mieux, là? Je suis beaucoup mieux. Oui, donc, sois mieux. Écoute, il fait trop beau parler de ça aujourd'hui. Pourquoi on n'attend pas demain? C'est pas demain que je suis pas bien, Georges. C'est aujourd'hui. Oui, mais demain est un autre jour. Tu y as-tu pensé à ça? Écoute, mon petit pinson,
Je t'aime, mais j'ai pas juste ça à faire. Mon char m'attend dans le garage, moi. C'est ça, va le rejoindre avant que ça ennuie trop. Bon, tu veux-tu venir le laver avec moi? Tu t'occupes plus de ton char que de moi, Georges. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? On mange ensemble, on dort ensemble. Je serais même pas pour te passer le chamois sur le dos, couidon. Pourquoi pas? On va être pas un char, quand même. Des fois, j'aimerais ça en être un. Ben, qu'est-ce que tu veux? Faut pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Surtout pas avec toi. Ah, mais c'est toi! Ah, ben oui. Regardons ça. Moi, je t'avais pas vu. C'est pas grave. Mais je suis contente de vous voir. Ben voyons donc. Ah, voici, hein? Ben oui, hein? T'es-tu en train de faire ton marché? Ah, oh, je sais plus, là, hein? C'est effrayant de voir les prix. Ben, il pire notre portefeuille. Ben, regarde, as-tu vu le prix du steak haché? Oh, j'ose pas. C'est effrayant, c'est rendu pratiquement ridicule de manger. Ah, et même la saucisse, ça rit nous autres. Mais certain. Ben, tu vois, il y a juste les chips qui sont restés raisonnables. Imagine. Ça a l'air qu'on est rendus toutes les deux dans le congelé. Oui, hein? Tu sais que j'ai failli t'appeler, jeudi. T'as bien fait, j'étais pas là. C'est ça que j'ai pensé. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Ça va l'air. Moi aussi, j'ai failli t'appeler à un moment donné. C'est engagé, je pense. Ben, je devais être sur la ligne. Ça doit. Sais-tu, je pensais à ça tout à l'heure. Et juste pas que je t'ai pas choquée l'autre jour avec mon histoire de varices. Quelle varice? Je me souviens pas. Tu m'as parlé de tes varices? Tu t'en rappelles pas. Du tout, du tout. C'est bête. En tout cas, j'espère que je t'ai pas froissée parce que je parlais pas de toi nécessairement. Là, je parlais des varices dans le sens large. Fais-toi-en pas, hein? Ça arrive à tout le monde, des varices. Mais c'est parce que je me demandais si on n'était pas chicane. Ben voyons donc. Je te l'aurais dit. Mais c'est parce que des fois, je parle puis je m'en rends pas compte. C'est pas grave, hein? Je t'écoutais même pas. J'étais dans la lune, cette journée-là. T'es sûre? Oublie ça, voyons, hein? Faut savoir pardonner dans la vie. C'est vrai. Écoute, Laurette. Pourquoi tu vas pas t'étendre un peu au soleil? T'es blanche, blanche, t'as l'air d'une morte. Je suis pas en état de griller. Un, deux. Testing. Un, deux. Allô? Occupez-vous pas de moi, là. Continuez ce que vous dites. Je commence à entendre, là. Hey, c'est Junior. Ça va marcher, son intercom. Oh, pas encore lui. Un, deux. Lui, si ça continue, il va coucher entre nous deux. Des fois, je me demande ce qui m'a pris d'être enceinte de lui. C'est pas mon fils que j'ai mis au monde, c'est ton frère. C'est normal pour un enfant d'avoir un père. Pas d'avoir une mère, en tout cas. Bon. Qu'est-ce qui t'a fait encore? Je pense que si je mourais demain matin, faudrait que j'y dise pour qu'il s'en aperçoive. Il t'aime, dans le fond, c'est juste qu'il l'ignore. Bien qu'il s'ouvre les yeux! Je suis tanné de broyer sans qu'il s'en aperçoive. Il sait que tu pleures des fois. Mais ça paraît pas! Ben, c'est parce qu'il est diplomate. Je te dis que vous faites une belle paire, tous les deux. Tu trouves? Oh, je suis tanné, moi, tanné. Ben non, t'es pas tannée. Oui, je suis tannée. Ben non, voyons. Je te le dis, je suis tannée, bon. Je suis tannée, OK? Wow! Hey, ça va faire, là, hein? Ça va faire, l'énervage? T'as moyen de faire une crise comme du monde, me semble? T'as un téléphone flambant neuf, ça. Qu'est-ce que je vais faire, Georges? Mais l'espère, on va le ramasser. T'es trop gâté, toi. Pas tout le monde qui a trois téléphones par maison. C'est ça, ton problème. Ah, t'es correct. J'ai eu plus de peur que de mal. M'excuse, Georges, d'être déprimé. Excuse-toi, Paul. Personne n'est parfait. Tu dois être tanné d'être marié avec une folle comme moi. Mais dis pas ça, je t'ai marié de même. T'aimerais pas ça des fois, être heureux? Je suis assez heureux comme ça. Qu'est-ce que ça me donnerait de l'aide plus? Être mieux, là. Ben, tu l'es déjà.
Calme-moi donc, là. Oh, regarde, tu ris. Tu trouves? Ben oui. T'as l'air d'un vrai clown. T'es fin. Ben, tant mieux. Georges, j'aimerais tellement ça pour m'ennuyer avec toi. Il n'y en est pas question. On devrait partir des fois tous les deux tout seuls. N'importe où. Pourquoi on n'irait pas au centre d'achat ensemble tantôt? OK. Il faudrait que j'aille chez la coiffeuse, par exemple. Ben pourquoi pas? Ah ouais, va t'habiller. T'as le tour avec moi. C'est parce que je t'aime. Un, deux. Un, deux. Allô? Papa! Papa! Bon, ben, je vais y aller. Un, deux. M'entends-tu, papa? Oh, ouais. Pèse sur le piton si tu m'entends. Allô, Junior? Je te pèse sur le piton, là. Allô, papa? Je t'entends complètement, là. Victoire, papa! J'arrive, là. Ouais, t'as fait ça vite? J'étais juste à côté. Hey, c'est vraiment électronique, ça, hein? Quasiment. Ben, ça va être pratique, en tout cas, hein? Hey, là, mettons qu'un de vous deux meurt, là, quelque chose. Pas besoin de s'énerver, juste à m'appeler dans ma chambre. Ouais. Pas de danger que ça prenne en feu, cette affaire-là, là. Hey, non. Mettons qu'un soir, là, je vois de la lumière en dessous de votre porte puis que je sais pas ce que vous faites. Ben, j'ai juste à vous appeler. On verra. Puis, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On va-tu faire couper les cheveux? Ben, on se reprendra. Faut que j'aille au centre d'achat avec ta mère. Ben, quel honneur. Ben... Écoute, pas disant pas, mais ta mère, elle file pas tellement de ce temps-là. Elle s'imagine qu'elle s'ennuie. Elle doit être dans sa tête, ça. J'espère, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux? Nous autres, les hommes, broyer, c'est pas notre domaine. Moi, je connais rien là-dedans. Elle voudrait que j'y parle plus. Ouais. Si tu pourrais bien dire. C'est peut-être ta femme, mais c'est ma mère aussi, hein. Tu devrais dire plus souvent, ça lui ferait plaisir. Ta mère, c'est une femme dans un sens. Sûrement. Coudon, es-tu mieux que son cœur, Fernand? Il faudrait qu'il fasse bien attention, mais il arrête pas de fumer puis de boire. Et je te dis, mais tiens, il a dit, hein, que s'il arrêtait pas à un moment donné, ben il serait capable. Essayant. Il est un peu jeune pour mourir, Fernand. C'est un petit peu large, quand même. Hé, mais Bernard, lui, es-tu mieux de son estomac? C'est dur à dire. C'est un grand nerveux à l'intérieur. Oui, il prend bien des marches, par contre. Ah oui, ça aide aussi. Ça l'aide beaucoup. En tout cas, ils sont bien chanceux de nous avoir comme garde-malade. Qu'est-ce que tu veux? Les hommes, là, c'est des grands bobos, dans le fond. Ils vieillissent avec l'âge. Ils sont moins fringants qu'ils étaient. Ça, il faut pas leur dire, par exemple. Ils ont leur orgueil de mâle. Ouais, puis ils sont bien plus mâles pour en parler que pour le faire, bien souvent. Oh, es-tu bonne, hein? Mais c'est vrai pareil. Moi, là, je prends quasiment la pilule juste pour lui faire plaisir. En tout cas, je te dis, là, que le démon du midi, il veille pas tard le soir. Qu'est-ce que tu veux? Ça lui fait plaisir de penser qu'ils ont encore le goût. Oh, ben, c'est bon qu'ils font pas de mal à personne, hein? Ça, il n'y a pas de danger. Tu crois? On est bien, hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été bien comme ça ensemble. Ben, profite-en. Oh, je me sens comme en voyage. On dirait qu'on s'en va sur la Lune. Ben oui. La lune de miel. Oh, j'aimerais ça que tu me parles toujours comme ça. Ben, tu as juste à me le demander. Tu vas être beau dans ce couple-là. C'est pour nous deux que je vais être beau. Veux-tu lire une revue? Oh. Non, non. Toi? C'est comme tu veux. Ça me dérange pas. Moi non plus. T'es-tu bien? Oui, oui. Sûr? Sûr, sûr. Non, mais dis-le si t'es pas bien. Mais je te le dis que je suis bien. Choque-toi pas. Faut se chicaner pour ça, hein? Je chicane pas non plus. Tu sais. C'est fragile, l'amour, hein?
C'est moi qui ai la fleur de peau. Je suis prime, hein? T'es comme mon char. T'es fou. Ça me fait plaisir. Penses-tu que ça va durer longtemps, Georges? Quoi? Notre nouvelle redécouverte. J'ai bien peur que oui. Oh, j'aimerais ça, là, qu'on soit toujours comme on est là. On reviendra, si tu veux. Pas juste ici, je veux dire. Comme ça, tu penses qu'on va y arriver? Où? À s'aimer, comme des Roméo. Écoute la lettre. Quand je décide d'aimer quelqu'un, moi, j'ai rien qu'une parole. Bon, je sais que c'est pas toujours facile pour une femme de s'ennuyer, mais dis-toi qu'à compter d'aujourd'hui, je vais être là pour t'encourager. C'est fini, le mot passé. Et puis, si jamais j'arrête de t'aimer un jour, c'est parce que je serai en train de me faire exposer. Dis pas ça! Je veux pas que tu meures! Fais-toi-en pas, je suis pas genre là. J'aimerais ça mourir avec toi. C'est le rêve de bien du monde. Mais pense pas à ça. Il n'y a pas juste ça à faire, mourir dans la vie quand même. Il y a plein de monde qui demanderait juste ça, de vivre. Pas dur d'être gay. Il suffit de l'être. Hein? Ouais. Mais quelle heure, là? Un petit peu. 2 heures. Tu connais? J'aurais aimé ça qu'il soit plus de bonheur. Excuse. Bon! Toujours bien des limites à l'endurance qu'un homme peut endurer. Les microbes? Mmh. Ils font de la peinte. Ils te le font haut pas mal, je trouve. Hey, si me masse, c'est ça, on va bien tilter. T'as pas de devoir à faire, toi, là. Ah, oh, ben, il m'est arrivé une affaire plate, j'ai oublié mon sac à l'école. Ouais. On va dire comme doué, c'est platard. De quoi tu vas avoir l'air lundi, là, à l'école? Ben, on va avoir l'air d'avoir un billet de doué. Eh ben, rien que ça. Veux-tu un bill de 5 avec ça? Hein? Tant qu'à faire, envoie donc. Ben, je peux-tu avoir un 10 à la place? Tant qu'à faire. Je la trouve pas drôle du tout, ta farce. Ben, c'est pas une farce. Ben, c'est ça que je dis. Ceci, regarde-moi, là. Tu me vois-tu, là? Pas, j'ai-tu l'air d'une valise, selon toi? Suzy, j'attends. T'attends à quoi? J'attends pour mon air de valise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui ou non? Tu fais quoi, ce mood du party, Suzy, que t'as pas de là? OK, sac! Y a pas de sac là-dedans, c'est ça. C'est ça quoi? C'est ça, rien! Puis tu le demanderas à ta mère, ton billet. Oh, parfait, Paul Rourke! Pardon? Non, je veux dire, tiens sa mort. Tu connais même encore faire des free games. Tu sais, ce que tu me demandes là, c'est presque de jouer dans le dos de ta mère, puis tu le sais, j'aime pas ça. Je te demande pas d'y jouer dans le dos. Non, mais t'as connu, il arrive rien avec elle. Veux-tu qu'elle ait un accident pour te faire plaisir? Non, mais elle lève pas. Que c'est qu'elle lève pas? Ben, elle. Je suis pas sûr que je te suis, là. Non, l'affaire, c'est qu'elle tripe machine à laver. Tiens, ouais. Non, mais un instant. Oublie pas, ma fille, que ta mère, elle a pas eu de jeunesse. Ouais. Cette femme-là est née la tête dans le linge sale. Ben, justement, comprends rien. Je pense que tu y vois un peu fort. Ta mère est surprenante des fois pour quelqu'un qui a pas d'instruction. Elle aurait même pas été intelligente, si elle avait voulu. Elle a tout un jugement pour une femme. L'autre jour, elle m'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle avait les verres avant les chaudrons, puis je vais te dire, j'y aurais pas pensé. Ta mère, c'est une intelligence pratique. Ben, qu'elle pratique, c'est d'autre que moi. J'y demande pas grand-chose, j'y demande juste d'être comme toi. En tout cas, moi, je trouve qu'à côté d'elle, là, t'es écœurant. Parles-tu de moi, toi, là? Non, je veux dire, tu sais, t'es OK. Je peux faire n'importe quoi, puis tu dis rien. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je me dis que ce que tu peux faire, je l'ai sûrement fait, tu sais. Prends pas ça mal, mais... Es-tu encore bien? Pas pire! Quel genre de pas pire?
Mais c'est juste que j'ai chaud. Mais t'es heureuse quand même. T'es pas... Quoi? Ben, t'es pas... Pas... Oh, recommence pas. J'avais le droit d'être heureuse puis d'avoir chaud en même temps. Excuse-moi. Je suis tellement pas habituée d'être au septième ciel. Mais non, c'est moi qui n'ai pas le tour d'être bien. Arrête. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Mais Nono. Nono, de qui tu parles? De moi, je suppose. Qui c'est qui te l'a dit? Je pense que t'es dû pour un petit bec, toi, là. Aïe, aïe donc, Christine. Et tu vas être beau. Beau comme un Romeo. Moi-même, j'ai eu ma période assez grave, merci. Pour te dire, les gars m'appelaient Pat Boone. Il y a pas mal de gens, tu sais. Indépendants comme deux. Tu devais être pété pas mal, hein? Il n'y en a pas jusque là, mais je me défendais. Oh. Allais-tu danser? Pas trop, tu sais. Moi, je faisais plutôt le malade assis. Oh. Mais quand c'était le temps de dire bonsoir à une fille, par exemple, je donnais pas ma place. Puis toi, les gars, là, c'est... Commences-tu à allumer une cloche dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je pense que t'es pas mal rendu à l'âge de raison, non? Ouais. Puis? Puis, ben, c'est ça. Si pour cette raison-là ou une autre, t'avais le goût d'avoir une conversation d'homme à homme avec moi, ou s'il y a des choses que tu comprends pas dans l'exercice de la vie privée, ben... Gêne-toi pas. Dis-toi bien que ton père t'a mis au monde, ça fait que je suis pas le dernier venu dans la chose du domaine. Oh, énerve-toi pas avec ça. Ben, mon chum m'a tout expliqué ça. Y a rien là. Ah. Ah, ben, d'abord qu'il y a rien là, c'est le principal. C'est qu'il fait dans la vie, ton chum. Il est beau. Oui, mais est-ce qu'il y a une profession qui l'attire en particulier? Je sais pas, moi. Eh ben, coudonc. Puis toi. Commences-tu à penser à l'avenir, un peu? Oh oui, quelle heure qu'il est, là? 2h15. Non, mais je veux dire, plus tard, là, y a-tu un métier qui t'intéresse? Ben, j'aimerais ça faire le mouton, mais dans quelque chose de buzzant. Je connais pas ça, ce métier-là. En tout cas, moi, je peux te dire juste une chose. C'est que moi, je me suis levé un matin, j'étais jeune, puis je me suis dit, fais ce que dois. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Et toi... T'as pas l'air d'en avoir, de phrases à te dire. Pas besoin de m'inquiéter, on va bosser bien avant ça. Comment ça? Le champignon, il s'en vient, pas, on va tout sauter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben voyons donc, il l'aura annoncé dans les journaux. À part ça, le champignon, tu sais bien que c'est pas sérieux, ça. T'as-tu remarqué qu'on envoie juste des vues? Moi, en tout cas, tant que j'enverrai pas un cher et en os, j'y croirais pas. Qu'est-ce que tu fais, là? Je suis en train de me patenter un cendrier, mon porteur. Pourquoi? T'intéresse, là? Ah oui. Mais c'est parce qu'il faut que j'aille patiner, là. Ben, vas-y. Oui, mais j'ai pas d'argent. Ben, vas-y pas. Oh, ben, come on! C'est pas pour t'acheter de la drogue, ça, là. Tu me connais mal. Ben, j'espère. Combien tu veux? Un 10, ça va faire. Tu veux me ruiner? Ben, fais pas l'écœur, hein? Merci. T'es écœur. Tu trouves? J'aime ça, ce couple-là. C'est dur de s'habituer au début, mais à un moment donné, on l'oublie. On essaie d'être en mode un bout de temps. Si jamais j'aime plus ça, cette tête-là, je mettrais la hache dedans. Écoute, j'aimerais ça te parler de quelque chose. As-tu une idée en arrière de la tête? Heureusement, oui. Ça fait une couple de semaines là, que ça me tourne autour du pot. Mais si jamais t'es pas d'accord, hein, ça va me faire plaisir que tu me dises non. Ah, ça, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai bien peur d'avoir le goût de déménager, moi. C'est que t'entends juste par déménager, là. Irais-tu jusqu'à rester ailleurs?
pas jusque-là, non. J'aimerais ça déménager, là, mais dans la maison. Pour être franc, là, c'est la cave que je vise. Il me semble que je suis rendu au stade là, de rester à côté de la chambre de lavage. En grosso modo, ce que tu veux, c'est changer de chambre. En gros, c'est ça. À part de ça, là, veux pas. Un jour, je vais être obligé de me marier. Je suis aussi bien de m'habituer tout de suite à être seul. Pas peur que ça influence les résultats scolaires? C'est sûr qu'il va y avoir une période d'adaptation à faire. Là. Mais c'est justement pour ça que je comptais déménager pendant l'été. Vendu. Moi, quand je trouve qu'une idée a du bon sens, j'ai rien contre. En tout cas, si jamais je vois que je me dirige vers un fiasco, là, ben, je remonte en haut. Bon, on sera là pour t'accueillir. Tu seras toujours le bienvenu. À part de ça, là, étant donné que je gagne ma vie à temps partiel maintenant, là, ben, j'ai pensé à vous instaurer une pension de 18 piastres par mois. Ah, ça, il n'y en a pas question. Comme tu voudras. C'est tout? Oui et non. C'est quoi le nom? Tu sais que l'année prochaine, je vais évoluer au cégep, hein? Ben, j'aimerais ça arriver là, muni d'une décision bien en main. Ouais, fort. Tu sais que j'ai toujours un œil sédentier. Hein? C'est peut-être héréditaire. Hein? Mais avant de m'embarquer dans la bouche du monde, là, j'aimerais ça partager ton avis. Écoute bien, Junior. Il va toujours y avoir de la place pour un gars dans les dents. Les dents, c'est vu comme le monde, ça. Puis dis-toi une chose, les modes changent, mais les caries restent. En ce qui m'attrait, la dent, les dentiers, appelle ça comme tu veux, tout ce qui mange, quoi. Ça m'a toujours permis de faire manger ma famille. C'est pas juste l'argent qui m'attire là-dedans. C'est tout le côté humain de l'aspect. Je trouve ça utile d'aider l'humanité à manger, moi. Ah, puis elle fait d'être professionnelle aussi. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça aide le monde à t'écouter quand tu parles. En tout cas, j'espère que tu me trouves pas trop préoccupé de m'en faire. J'aime autant te voir de même qu'avec un joint de drogue en arrière de l'oreille. Et cataracte! As-tu vu ça, maman? Ça a l'air qu'ils ont tué la moraine de Miami. La moraine de qui? La femme du parrain. Hey, t'es écœurant, elle a même reçu deux balles dans sa sacoche. Pauvre elle, ils l'ont pas manqué. Ça, c'était pas les 13 balles qu'ils ont tiré dans la tête. Ils sont pas chanceux en plus, Alex, c'est même pas elle qui visait. Étais-tu jolie? Ben là, c'est dur à voir le même, hein? Ça fait jamais bien à personne, 13 balles dans la tête. Elle va s'en rappeler, en tout cas. Un gars, oublie pas ça. Sais-tu qui c'est que je pense que j'ai vu au centre d'achat? Je sais pas. Le fils de Thérèse Jacob. Puis, je sais qu'il fait de bon. Ben, voyons donc. Il a juste 16 ans. Eh ben. Je te dis, je l'ai pas reconnu. Il ressemble à sa mère. C'est effrayant. C'est de valeur qu'il soit beau garçon parce qu'il s'arrange comme un vrai fou. Tant que ça. En tout cas, je voudrais pas être dans les culottes de sa mère, moi. Il n'y a pas de danger. Et monsieur, je te dis que l'homme est rendu loin. Ça a l'air qu'on est capable de parler avec des singes. C'est bien du pain tranché, hein? Sûrement. Je saurais pas de quoi parler, qu'un singe, moi. Qui c'est qui a inventé ça, le pain tranché, donc? Ça doit être le même gars qui a inventé le toaster. Ça goûte donc bon de la mayonnaise. Ça doit. Non, on peut pas dire à quoi ça goûte. Ouais, c'est la vie. Ah ben. Comment ça se fait que t'es bon avec n'importe quoi? Quoi? La mayonnaise. Eh là. Coudon, y as-tu parlé finalement à Suzy? De quoi? Ben, pour un matin, puis en général. Ah, ça? Je comprends donc. Puis, ben, ça a passé par là. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, elle sait. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, je vais te dire, elle t'a mal gossé pour parler, hein? Ben, il était temps. Il était pas trop tard, quand même. Penses-tu que
que je te préfère une salade aux patates. Hein, maman? C'est à moi que tu parles. Non, ton mur. Ah bon? Combien déjà les pneus? Tiens là, 26. C'est facile à obtenir. 26. 26. Ben, tu vois, on a beau dire, mais un char, ça vaut 20 psychiatres. Je t'ai pas dit ça, hein, mais... J'ai failli me faire offrir une bière, moi, l'autre jour. Ah, y'a rien de mal là-dedans. J'ai rien contre un gars qui prend un verre de temps en temps, en autant qu'il est capable de le resserrer après. Non, la boisson, c'est comme des femmes, ça. Où tu sois capable de dire non à un moment donné. À propos de ça, parle-en pas, là. Y a une fille que... Je cracherais pas dessus de ce temps-là. Ah oui? C'est qui la chanceuse? Pas la petite pinco toujours? Non, non. Elle est bien trop jeune de caractère. Elle rit de moi quand elle me voit. Non, la mienne, elle s'appelle Thérèse. C'est-tu un joli brin? Elle est assez brin. C'est pas une beauté, là. Pour une première blonde... Bon, faut bien commencer par quelque chose. C'est-tu une jeune fille sérieuse? Ça a de l'air. Ça fait 2 ans qu'elle sort avec le même gars. Ouais. Mais tu as-tu déjà parlé, au moins? Presque. Ah. Un début. J'aimerais essayer de dire d'autres choses, quand même, à un moment donné. J'avais pensé de l'inviter à venir voir une vue en fin de semaine, mais... Il n'y a rien de bon à la télévision. Mais aller en voir une au cinéma. J'ai pas d'argent à mettre là-dessus, moi. J'ai mon compte d'encyclopédie à payer cette semaine. À part de ça, je n'aurais pas de quoi parler avec, moi. De quoi qu'on parle avec une femme? Oh boy. Là, tu me demandes une affaire. Georges? Es-tu là quelque part? Je te ferai demander ça à ta mère, tiens. Georges? Écoute, faudrait que je te parle pour ton char à soir. J'en aurais besoin pour livrer mes produits Tupperware. Georges, veux-tu venir 2 minutes? T'en viens-tu, là, Georges? Il s'en vient, le moment. Il est parti changer. Comment ça va, toi, à part de ça? Ça va mal. C'est-tu vrai? Écoute, je voulais te dire ça, là. Je le sais qu'on se parle pas souvent, hein. Mais... Parce que je suis beaucoup occupé, moi, de ce temps-là. C'est à cause de mon âge. Je suis un peu en période de révolte, hein, tu sais. Pourquoi tu me dis ça? Pour te faire plaisir. Bonjour, princesse. Bon, ton père arrive, là. Ah! Tu me le passerais-tu? En tout cas, on va sûrement se revoir, hein? Ben oui. Ton chum veut te parler. Allô? Allô, papa? Je voulais te dire ça, là. J'ai adoré ça, ce que je t'ai dit tantôt. Tant mieux. Je pense que je vais aller me faire faire les cheveux un peu. Je me sens plus les oreilles. Parfait, ça. Bon, je peux-tu te parler, là? Ah oui, donc? C'est à propos de ce soir chez Bernard. Hey, ça fasse partie, fin modeling, hein? Je ne sais pas si ça me tente d'y aller. Ben, penses-tu que je le sais, moi, puis je vois pareil? J'ai rien à me mettre sur le dos. Ben, mais rien. Mais ça me fait longtemps qu'on les a pas vus. Ça me gêne. Ben, voyons donc, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on ait du plaisir. Ben oui, mais les autres, là, qui vont être là, je les connais pas, je sais pas quoi leur dire. Ben, tu leur diras qu'il fait beau. De toute façon, c'est même pas sûr qu'ils vont venir. Mais qui se décide? Il y a qui ça du monde de même? Tout d'un coup, c'est une soirée chic. Jeannine, elle avait-tu l'air d'être pour se mettre en pantalon? Ah, ça, je vais pas remarquer. Oh, ça n'a pas d'allure. Moi, deux cheveux par de ça. Oh, mais ils sont corrects, tes cheveux. Je sais bien, c'est pas ça. C'est trop compliqué comme soirée. Bon, écoute, là, calme-toi. Je vais appeler Bernard, puis je vais lui demander le plan de la soirée. Allô? Bernard, c'est Georges. Seulement. C'est au sujet de ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, absolument rien. Écoute, prends pas ça mal, mais... Qui c'est qui va être là ce soir? Ben, voyez voir vous autres, en tout cas. Ah bon? Il va y avoir nous autres, en tout cas. À part de ça? À part de ça? À part de ça, ça va bien. Tant mieux. Mais
Je sais pas pourquoi. Ah, c'est pas ça? Il sait pas. Demande-y comment ils s'habillent, eux autres. Comment tu t'habilles, toi? Je sais pas, là. Peut-être garder les pantalons que j'ai sur le dos. Demande-y si c'est chic. Sont-tu chic, tes pantalons? Ben, moyen. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, c'est parce que Laurette aimerait ça savoir comment va être habillée ce soir. Ben, je sais pas, moi, là. Va te passer Jeannine. Jeannine va te le dire. Je veux pas y parler à elle. Allô? Bonjour. Je suis contente de te parler. Ça a l'air qu'on va se voir ce soir. Ben oui. Tu parles d'une affaire. Écoute, c'est juste pour savoir. Je sais pas si on va y aller ce soir. Ben oui, voyons, tu vas venir. Vos voisins, ils vont-tu y aller, ça a l'air? Supposé. Mais ils sont pas censés pas être sûrs d'y aller. Ils vont pas dans un autre party avant. Oui, mais moi, c'est après qu'ils vont venir. Ah bon? Ben écoute, je pense qu'on va laisser faire quand même. Ben voyons donc. Y a-t-il une raison? Non, non, c'est pas à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Dis-y donc qu'ils viendront pas. Bernard, il fait dire qu'ils viendront pas. Oh, il est bien fait. Mais je connais pas, elle. C'est pas nécessaire. Viens donc, hein? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu penses? Ben oui. Faut-tu s'habiller? Non, non, non. Bon, ben, on peut bien y aller. Mais je te promets rien. Bon, ben parle-moi de ça. Fait que, à ce soir. Si tu veux. Bye. Bye. Ah, pauvre Laurette. Je te dis qu'elle aime ça sans faire. Ça, ça nous regarde pas. Hey, je pense à ça. Je sais pas comment m'habiller, moi, ce soir. Appelle Laurette. Qu'est-ce que j'ai l'air avec mon costume sur le dos? Ah, t'es plus la même. Il me semble que j'ai l'air petite avec mes cheveux. J'ai pas changé de bas, finalement. Je pensais que tu mettrais ta chemise jaune. Ben, une chemise, c'est une chemise. Mets-toi donc à côté du sofa. Il me semble que le sofa aurait mieux paru si t'avais mis ta chemise jaune. Tu trouves pas que j'ai l'air folle? Avec le sofa? Mais non, là, tout seul, de même, là. Il semble que non. Ça doit être aux autres. Oh, dis-moi les temps que j'ai l'air folle! Mais oui, mais c'est plus le temps, là! OK. Oh, ben tiens, si c'est pas vous autres! On n'est pas en avance, j'espère. C'est pas grave, ça. Partirez plus de bonheur, c'est tout. Oh, ça te fait bien, Jeannine. Oh, je te remercie. Puis toi, qu'est-ce qui est arrivé avec tes cheveux? Si ça n'avait pas été toi, je t'aurais pas reconnu. T'aimes-tu ça? Merci. Elle a l'air en forme, hein? Pas mal, j'ai le piton. Elle court pas, puis c'est juste. Ah, je te dis qu'on est content de vous voir. Ah. C'est rien à comparer à nous autres. On passe au salon? C'est pas nécessaire.
Puis, qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis un matin? Ah, oh, c'est dur à dire, là. Ah, d'abord. Mon Dieu, Jeannine, ça se peut pas, t'as bien beau costume. Ah, oh, tu l'aimes? Moi, je trouvais que j'avais l'air folle dedans. Oh, ça paraît pas. Mon Dieu, vous avez tout changé le salon de place? Ben oui, avant, il était dans la salle à dîner. Oh, c'est beau! On se passerait ailleurs. Même nous autres, on est gênés de veiller dedans. Imagine-toi, nous autres. Je t'ai pas dit ça, ma fille. Ben non. J'ai toute refaite ma cuisine. T'aurais dû me le dire. Viens voir ça. Oh, que ça doit être joli. On a innové la chambre de Suzy aussi. Ça te tente-tu de venir la voir avec moi? Y a rien qui me ferait plus plaisir, mon vieux. Regarde, j'ai mis de la tapisserie sur le mur du poêle. Je trouve que ça fait plus kitchen. Mais je comprends. T'avais en plein le genre de mur pour mettre de la tapisserie, toi. Je t'ai pas dit ça pour Gertrude. Ben lâche-moi, toi. Ben oui. Imagine-toi donc, ma fille, que Gertrude est allée passer un examen pour le test du sein. Oh, qu'elle est pas chanceuse. Puis ça a l'air qu'elle a pas eu son résultat encore. Pauvre elle. Oh, moi, avoir le cancer du sein, je pense que j'en mourrais. Ben, c'est ce que j'ai dit. Mais je voulais pas la déprimer, tu comprends bien. Mais t'as bien fait. Tiens, penses-tu qu'elle est pas bien, elle, ici, là? Elle n'est pas là, là. Non, non, elle est sortie voir un disque. Hey, je te dis que moi, à son âge, j'aurais aimé ça avoir une chambre de même. Ah, qu'est-ce que tu veux, à notre âge? Il n'y en avait pas de chambre de même. Finalement, as-tu posé ta toilette dans la cave? Pas encore, non. Parle-en pas à Jeannine, c'est ça que je veux y faire comme cadeau de Noël. Dis-toi qu'avec moi, c'est comme si tu parlais dans le vide. En tout cas, t'es bien meublé en fait de maison. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu restes dans une maison, faut bien que tu vives dedans. Ben, je comprends donc. Bon, ben, moi dire comme ce gars, soyez-vous. On peut bien faire ça pour toi. Et monsieur, je t'ai dit qu'on est assis dans vos sofas. On se passerait coucher. Endors-toi pas, toi, là. Oh, pas de danger. Moi, ça me prend des pilules pour dormir. Moi, un matin, j'ai sorti mes vidanges. Ouais. En avais-tu beaucoup? 3 sacs. Hum, monsieur. T'as mis ça devant la maison? Je sais pas. Y en a-tu des vidanges? Qu'est-ce que tu veux? Faut bien que les vidangeurs mangent eux autres aussi. Moi, ouais. Je vais me mettre de côté un peu, moi. Oui, fort. Oh! Ouais. Qu'est-ce? C'est pas ma blonde qui arrive. Une chose m'as-tu appelé? Tu pourrais dire bonjour avant? Bonjour. Puis m'as-tu appelé? Comment ça va? Bon, comment ça va? Pas mal, merci. Toi? Merci. Puis, y'a-tu appelé, là? Non, il a pas appelé. Oh, shit, il est-tu tonne merde, lui? Suzy, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de parler mal? Oh, commence pas à flipper, toi. Hey, c'est pas toi qui vas me dire quand flipper. C'est pas trop compliqué de parler comme du monde, me semble. Ben, tout le monde parle de même. T'es pas obligé de parler comme eux autres, non plus. C'est pas croyable. On dirait qu'elle a encore grandi, elle. Ça pousse, hein? Tu me le dis, toi? Si ça continue, on pourra plus dire n'importe quoi. Mais ça va faire changement. Suzy, c'est pas moi que tu parles, là. C'est rien, ça, Jeannine, voyons, c'est parce qu'elle aime ça me taquiner. Hein? Pas vrai, Suzy? Dans le fond, là, je suis son meilleur. Hein, Suzy? Puis, il y a personne d'autre qui m'a appelé, là. Qui tu penses qui veut parler à un herbette comme toi? Bon, elle vient de se pluguer, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Suzy, réponds-moi. En tout cas, toi, ma fille, quand tes enfants vont venir au monde, j'espère qu'ils vont être pareils comme toi. C'est juste ça que tu mérites. Tu as quelqu'un qui m'appelle, je t'ai foiré dans ma chambre. Ma pote à musique de poêle, là. Dire que c'était haut de même quand tu es venu au monde.
Coudon, as-tu revu Jean-Paul? Parle-moi-en pas, je sais même pas de qui tu parles. Me mêle avec un gars que tu connais pas. Voulez-vous boire quelque chose? Toi, Laurette? Donne-moi ce que t'as. Une petite crème de menthe? Donne-moi ce que t'as. J'en ai. Puis, donne-moi-en une. Ah, puis toi, Georges, un petit gin? Oh, à peine. Paraît que la fille de Louisette, elle va avoir un bébé. Oh! Il va-tu être cute? Paraît qu'elle est grosse, c'est effrayant. Oh, ben, qu'est-ce que tu veux? Faut être grosse pour être enceinte, hein? C'est rendu qu'avec les médecins, ils peuvent te faire deviner ton sexe avant que le bébé vienne au monde. Ben, y a plus d'infini. Ça continue, les enfants vont à l'école avant de venir au monde. Ce serait pas de mauvaise affaire. De toute façon, il y a jamais trop de bonheur pour s'instruire. Ben. Georges, t'as-tu dit qu'on suit des cours de danse? Ben non. Ben oui. Aimez-vous ça? Oh, ma fille. C'est le jour et la nuit. Il paraît qu'un couple qui danse le cha-cha 15 minutes par jour, c'est comme courir 15 minutes pendant 1 000. Ouais. Y a pas d'erreur. Mon Dieu, qui c'est ça? C'est pas déjà Ferdinand qui revient de leur cocktail. Oh, dis-moi pas ça, j'ai rien préparé à leur dire. C'est peut-être juste Junior qui nous rapporte l'auto. Vous êtes pas venu en auto, Georges? Non, non, Junior est venu nous le conduire. Il y avait des clients Tupperware à délivrer. Salut, mon grand. C'est personne, c'est juste Junior. La santé de bonne humeur? Faut bien. Je viens juste porter les clés de l'auto. Ben voyons donc, compte-moi pas d'histoire. Ah ouais, rentre, rentre. Oh, mon Dieu! Une autre permanente! Êtes-vous tombé sur une bande de rouleaux? Ça va bien? Toi? Ah, plaisir pour moi. Bonjour, maman. C'est plaisir de te voir. C'est ça? Puis, vous n'en veniez pas trop? Ah, ben comme tu vois. Parle-moi de ça. Ouais! Ça a-tu passé au feu ici? C'est bien beau! T'aimes ça? Ah. C'est pas votre ancien sofa, ça? Tu l'avais pas reconnu? Du tout! Je l'ai fait teindre québécois. Oui. Il me semble qu'il a l'air plus grand qu'avant aussi, hein? C'est parce que Jeannine n'est pas assise dedans. T'es pas là, ça, avant, ça? C'est-tu un peintre canadien? Non, c'est un Van Gogh. Avez-vous payé ça cher? Une 20aine de piastres. Ah! C'est le prix, hein? Donc, je regardais Théa en arrivant, là. J'étais le dicapousse, hein? C'est quoi, c'était là? C'est dans ma mauvaise herbe? Ah, ah, ah. C'est ça, oui. C'est ça pour te faire rire? Je te remercie. Veux-tu voir quelque chose, Junior? Non, merci, je vais attendre un peu. Je te prendrai peut-être un petit verre d'eau plus tard. Ben, assieds-toi donc, 2 minutes. Pas si j'ai le temps, là. Comme ça, t'es rendu un monsieur de Tupperware. Oh ben! T'es-tu un bon vendeur, là, d'après toi? Pas pour me vanter, là, mais c'est un bien bon produit que je vends. Toi qui as un mari, là, t'es bien en avoir de ces plats-là? Oui, oui. Tu vois? Moi-même, je m'en suis acheté une coupe en vue de ma future. Il se part un trousseau. Ben oui. Pense déjà à se mettre les pieds dans les plats. Ben laisse-le donc faire, toi. Au moins, il sera pas tout nu le soir de ses noces. Hey, je m'en vais chez Linda, OK? Tiens, c'est à elle que tu devrais vendre tes plats. Ça l'occuperait un peu. C'est-tu correct? Regarde qui c'est qui est là. Oh, allô? Ça roule? Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais de bon? Je m'écœure. Ah, tant mieux. À part de ça... Tu veux-tu? Junior te parle. Quoi? Rien. Je voulais juste savoir à part de ça. Part de quoi? T'es-tu allé voir un film? Quand, ça? N'importe quand. Non, non. Moi non plus. Puis, l'école? Ben, c'est plate, hein? Ah. C'est fun. Qu'est-ce que tu fais de bon cet été? Rien. En tout cas, faut pas lâcher, hein? Je peux-tu y aller, là?
T'es pas pour planter Junior là? Pas de danger. Pourquoi t'amènerais pas Junior avec toi? Ben, je pense pas que ça y tente. Hein? Tu pourrais y demander, au moins. Ça vaut pas la peine. Ah, ouais donc, Junior, je vais te passer le char. Je me connais, moi. Je vais bailler dans 2 minutes. Ben, voyons donc, piquerons ça ensemble demain après-midi. Ouais, c'est un peu boguant. On t'a supposé se parler, Linda, pis moi. Junior aussi est capable de parler, hein, Junior? Je sais pas, là. Je sais plus quoi faire, là. Ça se peut-tu être brandé de même? OK? Allez-y avant que je change d'idée, là. Je vais juste aller la reconduire. Je reviendrai pas tard. Tu reviendras bien à l'heure que tu voudras. D'abord que t'es ici vers minuit, demi, 1 heure. Faites pas trop les fous, là. C'est pas assez large d'être fou. Je pense que c'est la première fois que je vois Junior sortir. Il va prendre le tour à un moment donné. Je suis pas pressé. T'as beau qu'il aime ça, hein? Puis, êtes-vous allé en Europe, finalement? Ah, oh, l'Europe, c'est pas le mot. Avez-vous aimé ça à votre goût? Oh, ma fille, avoir une semaine de plus, on serait resté un mois encore. Oh, chanceuse. Hey, vous avez dû en voir des affaires. On a même vu du monde. Où c'est que vous couchiez? En Europe. Vous deviez passer vos journées debout. Le soir, on dormait. Oh, ça devait pas être chaud. Certain. Mais... qu'est-ce que ça avait l'air, l'Europe, là? Ça avait l'air d'une vraie carte postale. Avez-vous des photos? Non, mais on a des diapositives. Ça vous tente-tu de les voir? Ben, certain. C'est déjà tout installé dehors. Bon, es-tu prête, là? Oui, ouais, oui. Allons, Paul. Ça, c'est un de nos passeports. Mon Dieu, c'est bien gros. Ça, c'est un avion. Ça doit être haut dans l'avion. Oh, c'est pas le mot. Combien de temps ça prend embarquer dans l'avion? Le temps de s'asseoir, 2-3 minutes. Hé, hey, mais c'est chaud, ça! Ben oui, c'est Bernard en face du monument. C'est-tu toi qui as pris la photo? C'est un de nous deux. Il devait être grillé là-dessus. Oh, il a tout perdu ça en revenant. Où ça? Ça, c'est la Seine. C'est là que l'eau passe dans Paris. Ah, mais c'est pas si pire. C'est-tu pollué? Ben, tu comprends, c'est de la vieille eau pas mal, hein? Ça, c'est un Suisse. Mon Dieu! Il y a de l'air jeune là-dessus? Elle doit rester là longtemps? Une dizaine de jours. Ah, ça, c'est notre fameuse Tour Eiffel. C'est elle, ça. Dire que ça a été bâti, ça. Hein? Coudon, laquelle des 7 merveilles du monde que c'est, elle? Je pense que c'est la 3e. C'est pas pire. Ça doit être le fun de rire de même? Oh, ma fille! Mais où c'est que vous étiez? En Europe! Mais ça a l'air d'une vache, ça? C'en est une. C'est une vache française. A l'air d'une vache comme nous autres? Mm. Oups! C'est fini. Il me semble qu'on avait vu plus d'affaires que ça. Il me semble que la vache, c'est la dernière affaire qu'on a visitée. Vos autres photos sont pas bonnes, ça a l'air. Bon, c'est pas grave, hey. Oh, je vous félicite. Je trouve que vous avez fait un bien beau voyage. Je te remercie, t'es bien fine. Ah, mais il y a bien des affaires qu'on n'a pas vues. Ah, oh, c'est ça qui doit être fâchant quand tu vas en Europe. L'idéal, ça serait de rester là. Il y a rien qui vaut quand tu reviens, par exemple. Hey! Ah!
C'est ici le party de nudistes! Ah. Oh mon Dieu! Pas fini au moins, là! Non, non, on recommence, là! On vient juste de se l'habiller, là! T'es bien belle! Ben, tu peux bien parler, toi, t'as l'air de la place des arts. Tu connais pas Laurette? Pas à ma connaissance, non. Laurette, c'est ma voisine, Luce. C'est elle qui devait venir ce soir. Ah! Oh, bienvenue! Il fait beau, hein? Oh, mais si, c'est ce que j'allais dire. Bonsoir, Luce. Toi aussi? C'est pas ta femme, ça, Georges? Ça a l'air. Bacadame! Je comprends que t'en sortes pas souvent. C'est que t'as pêché ça, cette beauté-là. Ah, y a pas juste la beauté qui compte. Ben, je vois ça. Laurette, c'est Fernand. Fais attention, c'est un charmeur de pommes. J'avais très hâte de vous rencontrer. Je comprends ça. Je vous embrasserais bien la main, mais là, j'aurais trop peur de vous embrasser d'autre chose à la place. Vous êtes bien aimable. Bon, ben, on passe-tu au salon? Certainement. Laurette? Luce, tu connais Georges? Oui, oui, mon mari m'a parlé de vos dents après-midi. Ben oui, ça a l'air que vous avez un petit problème de blé d'Inde. Ben oui, surtout quand je mange un bâton. Voulez-vous vous asseoir, quelqu'un? Ben oui, prenez-vous un sofa, là. On s'assoit-tu nous autres même? Si tu veux. Je peux bien rester debout, moi. Ah, oh, moi aussi, t'as qu'à ça, hein? On n'est pas obligé de s'asseoir, finalement. Ben voyons donc, il y a du sofa en masse, là. Bon. Je peux bien aller chercher un fauteuil chez nous, si tu veux. Oh, ça sera pas nécessaire. Mais non, c'était une farce. Oh, excusez, je la connaissais pas. Puis? Ah, oh, ben, on a bien du plaisir. Est-ce que ça avait lieu en quelque part? Ah, oh, non, non. Ça avait lieu dans une réception. Avez-vous bien mangé? Le gin de papier, hein, des gars. C'était un party de quoi? Ben, le but du party, c'était de rencontrer les nouveaux chars. Ah! Oh, c'est pas mal comme idée. Il avait fait un gros gâteau en forme de Camaro. Il devait être bon. Il goûtait un petit peu l'huile. Évidemment, il a fallu que Fernand essaye de rentrer dedans. Dans quoi? Mais dans le gâteau. Et il a tout défoncé la vitre sur le côté. J'avais pas mes clés. Y en avait-tu qui étaient en robe longue? Pas vraiment, non. Mais il y en a une qui est arrivée avec un de ses décolletés, par exemple. On aurait dit qu'elle avait juste ça sur le dos. C'est-tu fou, le monde? Mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle était toujours pas pour laisser ça chez eux. On y est bout dans le décolleté, hein? Ben, certain. Mais qu'est-ce que tu connais aux femmes, toi? Elle était pas si pire que ça. Même que t'as pas pire pantoute, je trouve. Je comprends qu'elle était pas pire. T'as passé la soirée à la déshabiller des yeux. Et le pire, c'est que j'ai pas été capable de rien voir. Ça t'aurait pris un périscope. Regarde donc l'autre qui parle. Ah, j'ai bien le droit d'être un homme, de temps en temps. Depuis quand? Georges! Eh oui, non! Il a l'air de rien de même, mais il y a des femmes qui aiment ça, cet air-là, certain. Me semble, oui. Écoute, ça se peut-tu que j'aille chaud, moi, là? Oui, mais t'es tout en sueur aussi. Ouais. C'est pas bon pour ton cœur d'avoir chaud de même. Veux-tu boire quelque chose, Fernand? Je peux te faire un gin? Ah. Dérange-toi pas juste pour un. Fais-moi un double. Tu trouves pas que t'as assez bu pour ce soir? OK, d'abord. Eh bien, non! Un petit double. Straight. Hey, mais viens pas te plaindre, hein, si tu te retrouves mort un beau matin. Je dirais pas un mot, je te le jure. Luce, petite crème de menthe? Oui, mais très petite. Georges, tu les files? Merci, je me sens juste assez sharp. Laurette? Oh, non, merci. Une autre fois. T'es sûr? Oh, certain. J'ai un petit peu mal au cœur. T'as-tu envie d'être malade? Oh, non, non. Merci. Bon! On commence-tu le party de nudistes, là? Ben oui! Genre, on attend après toi. Ah, moi aussi. N'empêche que... Je n'irais pas ça, moi, de faire un tour dans une réserve de nudistes à un moment donné. Ben, tu iras-tu seul? Ah non. On y aller avec Laurette. Hein, Laurette? Ben oui. Ah, sérieusement, ça doit être toute une expérience d'être tout nu. Hein? Probablement.
voyons donc, on n'est pas des chevreuils pour se promener tout nu dans le bois. C'est pas pour rien que le bon Dieu a inventé le linge. Et tu sais, Bess, ça doit être une gang de sensuels qui se tiennent là. Ah, les gars, je vais vous montrer des photos une bonne fois. Vous allez voir, j'ai raison. Quand ça donnera. Tu me les passeras après. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que c'est un sport comme un autre, le nudiste. Hein? Ça coûte pas cher l'équipement, en tout cas. Mais moi, l'affaire que je me suis toujours demandé, c'est où c'est qu'il change, ce monde-là? Vous, Madame Moquin, êtes-vous une amateur de quelque chose en particulier? Oui, un peu. Comme quoi? Bien, moi, j'aime beaucoup ça me faire cueillir. Ça vous permet de prendre du soleil en même temps? Ben oui, c'est ça. C'est vrai qu'elle doit être bonne pour griller, elle. Elle a l'air foncée. Elle? C'est effrayant, une vraie dinde. Elle cuit à rien, on dirait qu'elle a du beurre sur le corps. Vous, faites-vous griller à l'extérieur seulement? Oh, un peu partout. Ah, moi, le soleil, ça m'a toujours passionné. Ah, oui? Avez-vous d'autres hobbies en dehors de votre peau? Écoutez-vous de la musique? Ben, un peu. Classique? Environ. Coudonc, Georges, es-tu après faire une enquête? Ben oui, où est-ce que t'as pris ça, toutes ces questions-là? C'est nouveau, ça? Ben quoi, je m'instruis. Je connais rien dans le grillage, moi. J'irai vous voir griller une bonne journée. Vous me montrerez comment vous faites ça. Ben, quand vous voudrez. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je disais ça de même. Ah bon? Ça fait du bien de pas parler deux minutes. Ça change les idées. Pas du neuf, cendrier-là? Non, j'ai toujours eu. Ça en blesse aussi. Tu veux la lettre, le cendrier? Ah, oui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, là? Voyons donc, Fernand, on n'est pas chez nous, ici. Qu'est-ce que ça tente de faire, Fernand? À moins qu'on joue aux cartes. Petite game de strip poker, peut-être, hein? Ah, je sais pas si j'ai assez de linge sur moi, là. M'en vous donner un handicap, m'en partir juste avec mes bas. Je suis pas bien bonne aux cartes, moi. T'en plais ça qu'il faut, ce jeu-là, ma chère dame. Pourquoi on jouerait pas aux charades? Ah, ça, c'est une idée. Comment ça marche, ce mot de jeu-là? C'est bien un autre, tu vois, mais ça. Regarde, mettons que j'ai un mot dans ma tête, puis que vous essayez de le deviner. Tu comprends-tu? Ouais. Qu'est-ce qui arrive, je le devine? Ben, tu gagnes. Je gagne quoi? Tu gagnes rien. C'est le fun. Certain? OK? OK. J'y vais. OK. Je vous avertis, là, c'est un difficile. OK, Fernand? On est fort. Un mot. Deux syllabes. Première syllabe. Toi? Janine? Dane! Oh. Pointez du doigt. C'est ceci. Oh, grand? Popoune. Moi! Deuxième syllabe. Qu'est-ce que c'est ça? Vessé? Café. Hélicoptère. Thé? Thé. Moi, thé. Moi, te. Moitié. C'est ça! Oh, c'est beau, Fernand. C'est beau. Ouais, fallait le savoir. Ben, c'est ça, le jeu. Fais-toi, Fernand. Hein? Ah, oh, OK. Oh.
Oh, aïe. Veux-tu prendre un mot que je connais? N'importe quel. OK. Deux syllabes. Non, deux mots. Ben, dis-les pas. Premier mot. C'est ça. Ému. Crise. Crise pétrole. Crise du Moyen-Orient. Crise du ventre. Oh, c'est crise du foie. Crise de nerfs. Gueule-t-on. T'as pas le droit de parler. Crise cardiaque. Un petit peu, toi, là, ça a quasiment l'air d'une crise mondiale, ton affaire. Fernand? Ah, ben non, c'est une crise, là, monsieur. Oh. T'es sûr là, que c'est pas crise cardiaque? Ben non, Fernand? On l'a dit, ça. Fernand? Arrêtez ton pouvoir, là. Il faudra bien le trouver avant qu'il meure. Fernand, dis quelque chose. Ça fait mal. C'est plus drôle, là. Viens, c'est pas là, Fernand. Bernard, je pense qu'il est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle veut faire quelque chose, c'est son cœur. Oh, mon Dieu. Pas de panique, là. Hey, va-t'en pas, Fernand. Tu connais Fernand, là? Va-t'en pas. Mais non, mais ça n'y aura pas. Où c'est que tu veux qu'il aille, là? Ah, bon, Fernand, je veux pas que tu meurs. Mais comment c'est que tu veux qu'il meure, là? Voyons donc, là, amenez-y de l'air, ôtez-vous un peu. Fernand, mais appelez l'ambulance. Allez, veux-tu que je t'aide, là? Non, je connais. Checkez-les pour qu'il meure, là. Je vais l'appeler la police, là. Oh, je suis pas capable de regarder ça. Ben, regarde une revue. Fernand, fais pas ça. Allô? Quoi? Êtes-vous dans la police? Ouais, bon. J'ai un ami qui est cardiaque, là. C'est ce qui arrive dans ce temps-là, là. Hein? Oui, il a l'air urgent pas mal, oui. 430 Fontainebleau. Ben, je pense que je vais vous l'amener. Ouais, bougez pas, j'arrive, là. Bon. OK, Fernand, as-tu le goût de faire un petit tour au char? Les coups qui meurent avant. On va faire ça vite. Pense-y pas, Fernand. Bon, prends ton bout de genre. Ça fait mal. OK, ça achève, Fernand, ça achève. Attention. En montant. Dernière marche, on est correct. Ça va, Ben voyons donc, y a-t-il un gars qui va mourir? En tout cas, excusez-nous, hein? Faites-les en pas, voyons. C'est des choses qui arrivent. Penses-tu qu'il va mourir? Ça me surprendrait. D'après moi, là, c'est le genre à faire deux, trois crises avant de faire la bonne. Oh, moi, je trouve qu'elle avait de l'air bonne, celle-là. Oh, elle se défendait. Pauvre elle. Je te dis que ça doit pas être drôle d'être mariée avec quelqu'un quand il meurt. Oh, qu'est-ce que tu veux? Qui prend mari, prend ses maladies. Dire qu'il était là, sur ton tapis. Et puis là, pense plus à ça. Tu l'aimes-tu, mon tapis? Ton tapis? Oh, il me rend malade. Il n'y a pas de remède contre le beau, hein? Pas encore. Mais lui, sa femme a dû me prendre pour une vraie folle. Elle était là que son mari mourait, puis je disais rien. Tu te reprendras. En tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que Georges soit veuf avant moi. Ça, c'est l'idéal, c'est sûr. Mais elle, là, si son mari s'éteint, qu'est-ce qu'elle va faire? Dur, probablement. Qu'est-ce que tu veux? Elle a aucun talent. Et encore moins de compétences. Elle pourrait peut-être être vendeuse. Il en cherchait une, justement, aujourd'hui, à la pharmacie. Ah bon, mais ça tombe bien. Ah oui. Puis je trouve qu'elle a un air de vendeuse à part de ça. C'est vrai, café public. Je la verrais bien d'un cosmétique.
En tout cas, si on se fie à son visage, elle a l'air de connaître ça, le maquillage. Elle? Elle pourrait faire la barbe à Edith Turin n'importe quand. Ah bon? C'est drôle comme tout s'arrange, finalement. Ben, c'est sûr, ça. Le bon Dieu est pas fou, dans le fond. Ouais? Une chose à la fois. Pour dire franchement, les femmes, c'est aussi bien que vous soyez restées ici. C'était pas beau à voir. Pas vrai, Bernard? Il n'y a pas d'erreur. Une crise cardiaque, c'est pas comme un coucher de soleil. Mais il est pas mort. Non, mais je l'aurais pas amené jouer au bowling. Hein, Georges? Minimum, mon âme. Vous avez fait ça vite? Non, c'est parce qu'on a rencontré l'ambulance de police au coin de la rue. Ça fait qu'on l'a redonné. Pilpilus, elle? Disons qu'elle avait pas le caca trop haut. Elle disait-tu quelque chose? Elle dit qu'elle était pour nous appeler s'il arrive quelque chose de neuf sur sa mort. Ouais. En tout cas, c'était dans le trait, cela. Ouais. Il y a quand même une chose qui ressort de tout ça. C'est qu'on n'est peut-être pas grand-chose dans la vie, mais c'est mieux que rien. Là, tu viens de fesser dans le mille, correct. Bon! On va attendre qu'il meure avant de s'en faire, ouais. Hein? On se paye-tu une petite partie de cartes, ça nous occupe les doigts un peu? Êtes-vous en état, les femmes? Ah, oh, moi, les cartes, là, je peux pas leur dire non. Puis toi, Laurette, ça te tente-tu de manger une volée? Ah, oh, n'importe quand. Ah! Filez-vous pour grignoter, vous autres? Dis-moi pas, tu nous as préparé un petit lunch, toi. Laisse-moi tranquille, toi. Vous nous avez assez bien reçus la dernière fois. On était gênés de rentrer chez nous. Oh, dérange-toi pas pour nous autres, là. Y a pas de danger. Mais il avait l'air d'avoir le pied pesant sur l'alcool, lui, non? Le pied? Mais hein? Il buvait plus que ton char. Puis pas de la sans-plomb pour le tien. Et monsieur, que ça a l'air bon. Oh, il y en a ben trop, voyons! Ben, c'est pour tout le monde. Bon, ben, ma partie la balle, moi. Les émotions, ça creuse l'appétit, hein? T'as l'air ému pas mal, toi, là, là. Ils sont bien pilés, tes œufs. Où tu les prends? Ils ont tellement de goût. C'est pas les œufs qui comptent. C'est la mayonnaise. Bon, on joue aux cartes, là? Ben, pas l'heure. Quand? C'est pas mon meilleur qui arrive. Où c'est que ton cavalier? Il est dead. Hein? Comment ça? Ouais. C'est parce qu'il a foncé dans ta haie avec le char. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Si tu, moi. C'est pas large, hein, de tenter le garage? C'est pas mal, ça? C'est pas mon char, ça, c'est pas lui. Oui, c'est lui. Qu'est-ce que t'as, Junior? Es-tu endommagé? Non, juste un choc nerveux, là. Ben oui, mais comment est-ce que t'as fait ton compte? Je faisais l'entrée du garage, mais... Je pense que j'avais le compas à côté de l'œil. Mais oui, mais t'aurais pas pu foncer ces poteaux à la place! Pas eu le temps. T'as pas l'air dans ton état. Avez-vous bu? Un peu, non. Il me semble que je t'en avais parlé, de la boisson. T'aurais dû m'en parler plus encore. Peux-tu que je t'aide à replacer ta haie? Je peux bien reculer le char, hein, si vous voulez, moi. Veux-tu que je te recule, moi? Bernard! Fendons le gazon à coups de hache, tant qu'à y être! Bernard, je t'ai dit Bernard! Je m'excuse, maman. Je suis peut-être un grand patient, mais là, ma patience a le goût de fesser! Sais-tu ce que c'est que cette haie-là? Du cèdre? Non! Cette haie-là, mon petit gars, c'est ma haie à moi. Je l'ai plantée avec mes mains. C'est moi qui l'ai mise au monde! Je l'ai quasiment allaitée! T'as-tu déjà allaité ça, une haie? Non. Ça ne se prend pas! On est avec du monde, là, Bernard! T'appelles ça du monde, toi, maman? Moi, j'appelle ça des tarlats! Georges, je m'excuse de te dire ça, mais ton gars, c'est un tarlat! Excuse-toi pas, je comprends ça. Mais que c'est qui t'a pris de mettre au monde un tarlat de même? Ben oui, excuse-nous. Il dit ça parce qu'il est fâché. Bien sûr. Non, mais maman, comprends-tu le principe, hein? T'aimerais-tu ça faire cuire un gâteau pendant 20 ans puis que je pile dessus avec mon char, hein? J'achale pas le gazon des autres, moi! Pourquoi est-ce qu'ils viennent achaler le mien? Je demande pourtant pas grand-chose, oh bon Dieu! Je demande juste rien! Y'a pas moyen qu'il arrive à rien dans la vie, coudon! Va-t-il falloir que je tue quelqu'un pour avoir la paix? Ça va faire, là, Bernard! Oui, ça va
pas faire parce que je pourrais dire des choses que j'aimerais autant pas entendre. Bon, je pense qu'on va y aller, nous autres. Faites donc ça! Vous voulez pas rester encore un peu? Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ce soir. On viendra demain, plutôt. Demain, on est fermé! Bernard! Vous voulez pas prendre un café avant de partir? On va y penser en chemin. Bon, ben, on a bien aimé notre soirée. Voyons donc, c'est pas ça qui compte. Dites bonsoir à Suzy, là, puis merci pour Linda. Rendez-vous bien. Vous autres aussi? Bon, ben, bonsoir, Bernard. Facile à dire, ça! En tout cas, je pourrais dire que je l'ai eu, mon Vietnam! Je sais pas si Bernard va mourir, hein? Ça, ça me regarde pas! Veux-tu manger des toasts ou des muffins demain matin? J'ai pas faim demain matin! Vous mangez ma haie! Dis-moi pas que tu penses encore à ça. T'as la mémoire longue, toi. Une fois, je me demande à quoi ça sert, la vie! Va donc coucher. Tu penseras à ça demain. Parce que je vais aller me pendre, moi, là, là! Oublie pas d'éteindre les lumières avant. Pas de danger! Thank you.